célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! J'avais raison. Ah, j'ai raison! C'est bon, ça me saoule, en plus, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond, en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Vas-y, ta règle. 10. K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 30, 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien il y a de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Catastrophe. Enfin, tout le monde connaît au moins la Première Guerre mondiale. C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum, quoi. Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non! Produit intérieur brut! Produit. Ça veut dire quoi, produit? Où se trouve la célèbre 5e avenue? À Marseille! À New York! Mais tu fais rien, on va tomber! Mais à Marseille! Oh, mais quelle sorcière, on va jamais te mentir ça dans ma vie! Ah, jamais entendu 5e avenue! Oh, vous êtes vraiment nuls, les filles! Pourquoi le Roi Soleil, on l'a appelé le Roi Soleil? Que sa chambre était exposée sud et du coup il est plein de soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout allumé. Parce que c'est toujours allumé. On est allé à l'école, j'ai eu mon bac. Attends, c'était. Tu as eu ton bac. Voilà, Kim, bon, elle a des bonnes réponses, mais des fois elle a des réponses, je me dis où là, ça craint quand même. Et dans la vie réelle, mes copines c'est des bombes atomiques. Allô? Elles font 1m80. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Allô? Le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge? C'est avant ou après Jésus-Christ? Moi, je dirais 1600. 600? 1600? Toi, tu dis le Moyen-Âge, c'est 1930, et toi, tu dis c'est 1600? Mais même après Jésus-Christ, plus ça avance. C'est au moins... Allez, on va dire... en fait, je sais pas du tout. Partie de l'Amérique, là, ce qu'il y a. Bah oui, Amérique du Sud. C'est vrai, non, Andréane? Quoi? L'Alaska, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Non.